un message d'alerte à l'endroit du pouvoir public, c'est de venir rapidement assurer la sécurité des personnes déplacées qui se trouvent à Saint-Gabriel, à Simisimi. Ils ont besoin d'un environnement sécurisé. Et je demande au pouvoir public, c'est-à-dire le gouvernement provincial, avec la mairie, de tenir compte de ces besoins qui est urgent. Il y a aussi la nécessité, l'extrême nécessité, de déployer des services de sécurité, des métiers de l'ordre dans les villages abandonnés où on a connu ces troubles. Il faut restaurer le calme, il faut restaurer la sécurité dans ces villages le plus rapidement possible pour permettre aux mamans d'aller récupérer de quoi manger qu'elles ont laissé dans leur champ et envisager aussi le retour progressif des déplacés dans leurs villages respectifs. Nous demandons cela urgemment. Et je lance un appel fraternel, un appel de générosité à l'endroit de toute personne désireuse de partager avec les déplacés qui sont ici. Rendons-nous sensibles, libérons notre générosité en rassemblant le peu que nous pouvons avoir pour mettre à la disposition de la Caritas diocésaine de Kisangani qui à son tour viendra mettre tout ce que nous aurons recueilli à la disposition des personnes déplacées. Comme vous pouvez le voir dans les images, il y a beaucoup d'enfants en situation de détresse, avec des mamans qui n'ont rien, qui n'ont que leurs yeux pour pleurer. Donc j'appelle tout le monde à pouvoir se mettre au travail, à donner sa contribution, que le gouvernement provincial et le gouvernement central, national, puissent s'organiser pour libérer l'assistance humanitaire nécessaire et cela dans un plus bref délai. Sinon, nous risquons de connaître des situations dramatiques, des situations humanitaires dramatiques. La maladie d'origine hydrique, le choléra et d'autres types de maladies parce que les déplacés vivent dans une promiscuité impouvatable, inacceptable. Donc, je voudrais que vous puissiez prendre au sérieux cet appel, ce message d'alerte pour venir en aide à nos déplacés, mais surtout pour sécuriser les villages qui ont été évacués afin que ces déplacés puissent regagner très prochainement leurs villages respectifs. Surtout kimia et côté la bisokuna côté e bandenge bana bazonga au maté aptoza déjà à peu près na 4 élèves wana na epe mungoku première année to sala ki déjà 100% ba diplômé déjà to bandio misa bangona na village babayo kati na bitumba mi baloyo ya deux conflits deux tribus elingi ko pénaliser vie bana na biso soki kimia ko sala te. Et bana na bakosanga kotanga na mbula oyo bana nyoso bakondia bango nyoso badingani molakisi na bango bazalia oyo ba uniforme baby donc ya ba mususu e baby bitumba makasi bitumba makasi makasi bakaye kobeba fia bana liki kobeba soki bakonzi mbokotike la biso makambo oyo boy bana nde bazali bakonzi pe ya lobby tokobika ndenge nini kutoka tu kunyumba tunapata fujo. Ile fujo tunaopoka kwa ile fujo kwa nguvu la Mungu. Kati ya makao ya jamaa yangu nyumba saba ile lilungula ni kwa jamaa yangu. Mie personnellement hapa niko nasema kati ya ile jamaa yangu hakuna mwenye kutia na chungu wala sani wala nguo mpaka na wale wa ikulu yangu kidogo kidogo niko natembea hapa mguu chini. Namuna nilitoka kunyumba depuis dimanche kwa hii hali jusqu'à maintenant niko kwa hii hali baba lusi ba matati ba komi kuna likolo ba kiti alikie bale kovanda muke bopo biso na yaliso mtoza na fisike 1 km kovanda kaka boye a mbala moko tuye koyoka kaka ta 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 masasi ta 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 ta
Déploiement, parce que les liens qui sont là, ils sont là.